Dur à apprendre en anglais, putain. C'est sûr, même un C1 il peut réussir à comprendre. Et c'est aussi le genre de mec qui ne sait pas, comment dire, conjuguer au participe passé. En français ou... Alors c'est juste anglais. Alors c'est juste le truc le plus simple au monde. En anglais, en anglais. Ah oui d'accord. En anglais, tu rajoutes juste un ED sauf pour faire virgule gay. Sauf que ça, il arrive pas à se mettre dans la tête. Oh bah putain. Ça va les amis, vous allez bien? Ça va très bien toi. Ouais, ça va. On parle juste du classeux qu'il y a dans mon lycée, Michon, ça va? Ouais, comme dans le mien. Toujours. Mais de toute façon, dans une classe, il y a toujours un classeux. Sauf que là, c'est presque toute ma classe qui est... Pareil, il y a un petit problème. S'il te plaît. Tout à l'heure, on avait sport, elle avait dit qu'elle était pas là hier. Au final, ce matin, t'as pu rentrer à ça, il a dit c'est bon, la prof de sport est là aujourd'hui, où j'y allais chaud. T'as les mecs, ils sont passés devant la prof, et ils ont séché, carrément. Genre, l'heure où on avait sport, t'as les gars, ils sont passés devant elle, et ils ont séché. Tranquille. Wow. Ils sont en mode, ah bonjour madame, et puis ils sont barrés. Mais il y a des personnes dans ma classe, on leur a appris que la Terre, elle était ronde il y a pas longtemps, là. Oh putain, enfin. Mais c'est un level différent, je t'explique. Oh putain, putain, il était casse ce couille. Mais moi, dans ma classe, j'aurais appris, enfin, le prof leur a appris que une fraction, tu pouvais, enfin, une division, tu pouvais multiplier par son inverse. GG. C'est le save, je crois. Ouais, limite parfois, niveau connaissance. Oh ben, loul, je passais tout dessus. Oulifi. Allez hop. C'est pète couille, la wave de Exploring Space, mec, elle est cancer. Dommage, je suis à moitié du level, là. Oh, je déteste ce level, mec. Ah, pourquoi tu le fais?